Yo, salut tout le monde. Petit gameplay astuce pour choper l'arme exotique, la Gator Box. Alors pour vous montrer que je la possède déjà. Hop. Voilà. Voilà, il l'appelle la Flux Continue. Un petit pistolet mitrailleur qui va très bien. Facile à avoir. Alors, il se déroule en plusieurs étapes. On commence. Alors, vous allez à Jefferson Trade Center. Vous la lancez minimum en difficile. Pour cette mission, il vous faudra. Des clés de yens, oui, c'est ça. Ouais, il vous faudra des clés de yens. Bon, là, j'en ai plus justement parce que je l'ai fait cette nuit pour avoir l'arme. Alors, première étape pour avoir l'arme exotique, la Gator Box, le pistolet mitrailleur. Vous allez à Jefferson Trade Center, minimum difficulté difficile. Allez, on est go. Alors, le premier coffre se trouve. Alors, au cas où, je me répète, il vous faudra exactement 4 clés de yens pour avoir l'arme Shatterbox. Alors le premier coffre se trouve ici. Bon, moi vu que j'ai déjà fait, j'ai pas de clé, rien d'utilisé. Premier coffre, vous obtenez votre pièce pour crafter l'arme. Ensuite, deuxième étape, vous allez, voilà, ici, au Grand Washington Hotel, où vous téléportez. Après, déjà, dès que vous êtes à partir de l'étape 2 pour avoir l'arme, vous n'avez plus besoin de le faire en difficile. Vous pouvez balancer le jeu en mode normal pour aller plus vite, pour pouvoir après crafter l'arme. Vous arrivez alors, Grand Washington Hotel, difficulté normale. Là, il n'y a plus besoin d'être en difficile. Il y a juste besoin de la première étape à Jefferson, que ça soit en difficile pour ouvrir le premier coffre. Alors, le deuxième coffre se trouve à l'étage. Quand vous arrivez à ce passage, là, normalement, vous avez des ennemis que j'ai déjà tués. Ici, vous avez un petit renforcement. Vous rentrez. Là, vous avez des toilettes. Et là, vous avez le deuxième coffre. Mais sur Grand Washington Hotel, vous pouvez avoir deux lieux où il peut y avoir. Si le coffre n'est pas spawn à cet endroit, il peut être à un autre endroit. Alors, on y va. Hop, hop. Bon, je me suis perdu. Allez. Alors, la deuxième possibilité du coffre, il se trouve exactement ici, quand vous êtes toujours à la mission Grand Washington Hotel, où il peut y avoir le deuxième emplacement du coffre, si vous n'avez pas au premier lieu, c'est juste avant d'arriver au boss. Si vous vous souvenez, avant de sauter, hop,
Et bien là, à votre droite, vous avez le coffre. Vous l'ouvrez, bien sûr, toujours. Avec une clé de hyène. Ah, mais là, on voit pas. Tous les coffres sont avec des clés de hyène. Je me répète. Et avant d'arriver au boss, le deuxième lieu. Pour la troisième étape, une des plus simples, vous vous TP à la Dark Zone et sur votre carte, il faut que vous ayez ici. Alors, hop, le plus près possible, vous mettez un point, toc, on se TP à la Dark Zone. Troisième étape. Je suis ici, à côté de la Dark Zone. Vous avez un grand bâtiment. Vous vous téléportez le plus près possible pour gagner du temps. À la Dark Zone Est, ça va très bien. Vous venez ici. Vous trouvez la fontaine. Cette fontaine, pour vous repérer, vous avez un signe de police. Vous avez un ascenseur. Vous ouvrez la porte. Vous descendez. Vous continuez votre chemin. Il n'y a qu'un chemin, bien sûr, qui va vous emmener à un garage parking souterrain. Ici, à droite, vous avez une tourelle au fond. Vous y allez à côté. Et le coffre, il se trouve là par là, normalement, ici. Vous avez le troisième coffre pour avoir la pièce qui pourrait vous manquer. Maintenant, nous allons à la quatrième étape et dernière. Vous allez à la mission, voilà, celle-ci, siège du banque. Siège de la banque, toujours en normal, vous pouvez, ça fonctionne. Alors, toujours à la mission, siège de la banque, difficulté normale, comme vous pouvez le voir à gauche. Quand vous arrivez à cette zone, avant d'arriver à la salle du coffre-fort, dans cette pièce, vous allez ici, à votre gauche, ouvrir le panneau et vous trouvez la clé pour ouvrir une salle. Continuons à chercher. Vous foncez à la fin de la mission. La chambre forte est droit devant. La fin de la division.
Vous êtes arrivé à la fin de la mission. Vous ouvrez le coffre. Autorisation validée. Accès accordé. La clé que vous avez récupérée juste avant vous permet d'ouvrir cette porte. Et le dernier coffre, quatrième, est ici. Vous l'ouvrez et vous obtenez le schéma pour pouvoir crafter la Shatterbox, la PM90. En voilà. Après, vous foncez toutes les missions. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le finir jusqu'à la fin. Dès que vous avez ouvert le coffre, que vous avez votre pièce qui vous avez besoin, vous pouvez quitter toutes les missions. Vous n'êtes pas obligé de les terminer. Vous foncez à la Maison Blanche. Une fois les quatre coffres ouverts, les trois premiers matériaux pour pouvoir la crafter, quatrième le schéma. Mais pour avoir le schéma, vous êtes bien obligé de faire les trois premières étapes. Ça ne sert à rien d'aller à la quatrième en premier parce que vous n'aurez pas accès au schéma. Vous êtes obligé de faire 1, 2, 3 et après quatrième le schéma. Et après, bien sûr, vous arrivez à la Maison Blanche. Vous allez à l'atelier fabrication armes et là voilà les matériaux qu'il vous faudra. Elle pas besoin de pièces exotiques pour pouvoir la crafter et de plus vous obtenez le trophée du craft exotique. Alors en tout cas, cette petite astuce gameplay pour avoir l'arme, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, merci à tous ceux qui m'ont regardé, partagé, liké et bye bye.